First time you see them, it's like a miracle. You don't really believe it. They're like myths. And then you see the first one alive. Ça tombe bien que ça soit éteint, je peux me curer le pif. Eh ben c'est bien parce que je viens de rallumer. Ah merde. Make my day. Bonjour et bienvenue dans cette dernière OP de la saison qui, tout à fait personnellement et en ce qui me concerne, annonce le début de l'été et des vacances bien méritées, très loin de la connerie du monde. Et comme chaque année, on oublie les déceptions et le chouinage pour se rappeler qu'après tout, le cinéma n'est que du cinéma et que le plus important est ailleurs. All right. Du soleil, de l'amour, une tarte tropézienne, mais surtout, surtout, des monstres et du funk. Ce sera donc une spéciale. Enfin réussi à placer un Millie Jackson en générique de début, je suis très content. Millie Jackson, c'est ma chanteuse préférée. Ok. Il y a plein de gens qui m'ont dit putain Yannick, tu mets pas assez de funk. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens comme vous, des monteurs comme vous, là, vous aimez bien les trucs vénères. Mais de temps en temps, un bon vieux funk. C'est une spéciale quoi, Yannick ? Des monstres et du funk avec une tarte tropézienne. Je pense que je devrais faire un film comme ça où t'aurais plein de plans sur des tartes tropéziennes et des gens qui mangent des tartes tropéziennes. This is gonna be awesome. C'est finançable, c'est finançable. Et lire intégralement dans une tarte tropézienne. Alors là, c'est concept. On fait un film d'animation qui se passe à l'intérieur d'une tarte tropézienne. Et là, c'est les chefs-d'œuvre. On avance bien. On avance bien. On fait progresser la réflexion. Et ouais, mais brave, je dois avoir une bonne étoile, parce qu'à chaque fin de saison, malgré une année d'intempestive râlerie, ce pourquoi j'aime le cinéma se rappelle toujours à mes souvenirs, à travers des œuvres parfois inattendues, qui contredisent tout fatalisme, et qui prouvent que même dans un système sclérosé, le talent émerge toujours. Même en biais, même en loose-dé, même si on tente de le cloisonner, de le contraindre ou de le contenir. Dans un monde qui conditionne la liberté, c'est quand même vachement rassurant de voir que même les grands ordonnateurs d'un nivellement par le bas donnent malgré tout leur chance à des créateurs passionnés et leur concèdent des partis pris qu'ils n'auraient pas cautionnés ailleurs. C'est bien la preuve que rien n'est jamais gravé dans le marbre et qu'il y a toujours, malgré tout, dans le cynique maelstrom d'algorithmes, de réseaux sociaux et d'études de marché, une volonté de retrouver la valeur mythologique du 7e art. The man staying in his cell is a highly decorated officer and a trained killer. He's been taught to adapt, improvise. He so much as gets a hold of a strand of floss, he best believes he'll find his way out of here. Son of a bitch. Un intrus est bien évidemment immiscé pour me contredire, ce qui permettra aux trois concres du fond de péter leur téléviseur, mais dans l'ensemble, ce que j'ai vu redonne de l'entrain et augure, je l'espère, une épiphanie. On a le droit de rêver. Mais ouais, on a le droit de rêver, bordel. Vite et rêve, quoi. Fuck off. Mais comme d'habitude, nous allons donc commencer avec une œuvre qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire et qui a su faire fi de la myriade de contraintes qui la composent pour hurler son amour du cinéma. Parce que, comme le disait le général Bijard, une référence, on est peut-être dans la merde, mais c'est pas une raison pour la remuer. C'est pas une fois que tu t'es chié dessus qu'il faut serrer les fesses. C'est pas une fois que tu t'es chié dessus qu'il faut serrer les fesses. Et pas mal ça là aussi. C'est qui? C'est un général qui a dit ça? Non, c'est un entraîneur de sport qui était un ancien militaire et qui nous parlait que comme ça. Ça, c'est génial. On jouait comme des pets sur une toile cirée, il me disait. Ou alors c'est le premier qui bande qu'encule l'autre, les gars. Anything you'd like to say before we start? No, sir. Good. A rescue op. Save the dinosaurs from the island that's about to explode. What could go wrong?
je sais que vous êtes comme tous les cinéphiles avertis, très en colère contre Jurassic World, mais j'entends. T'as raison, quelque part. Je peux pas te contredire. Il y a des trucs qui sont indéfendables. De toute façon, en 20 minutes, j'en avais rien à foutre de Chris Pratt, rien à foutre de la meuf, rien à foutre de l'intrigue. J'écoutais même plus le dialogue, j'en avais rien à branler. This is not why we're here. Alors, on y va? Yeah. Attention, on attaque cette émission avec un blockbuster pété de thunes, énième avatar franchisé d'une industrie qui taylorise ses concepts, ce qui suffit sans doute à ce que d'aucuns le bâchent sans état d'âme sur l'autel de leurs mantras absolutistes. True. Et pourtant, pour peu que l'on s'intéresse aux réalisateurs plutôt qu'aux rouleaux compresseurs marketing, on ne peut pas dégager du revers de la main Jurassic World Fallen Kingdom. Fallen Kingdom. Ça va ? I'm okay. Parce qu'on aura beau se farcir Colin Trevorrow, scénario, un putain de réalisateur tient la barre. Un réalisateur qui nous bluffe depuis des années, qui nous secoue les tripes depuis des années, qui transcende ses maîtres à penser depuis des années, et qui désormais nous prouve qu'au sein même d'une entreprise qui avait tout pour l'annexer, il est capable de verrouiller ce qu'on lui impose pour raconter sa propre histoire. Un vrai réel, comme on n'en fait plus, et dont tout le monde devrait retenir le nom, Juan Antonio Bayona. Et je dis pas ça parce que j'aime l'Espagne. Cela étant dit, le scepticisme peut avoir droit de cité et qui pourrait d'ailleurs reprocher aux puristes du siloche, épuisés par tant d'abrutissantes disneyisations du monde, d'être agacé que l'homme derrière les bouleversants orphelinats The Impossible, quelques minutes après minuit, soit à son tour récupéré pour servir la soupe à une franchise. Mais en fait, il n'a pas été récupéré. Faut arrêter. Tu vois, c'est pas toujours des choix personnels pour ces réalisateurs-là. Quand tu fais partie de syndicats aux États-Unis, que tu veux faire des films, bah, tu sais, la caisse blockbuster, elle est comme une espèce d'obligation larvée qu'on ne dit pas. Et tu verras que derrière Bayona, il refera ce qu'il a envie de faire. Il va pas enchaîner les Jurassic World. Hein. Une franchise certes spielbergienne au départ, mais que Colin Trevorrow aura nivelé par le bas, tout en livrant un bidon lessif suffisamment bien produit pour qu'il fasse illusion. J'étais moi-même pétri de doute pendant la longue exposition de Fallen Kingdom, d'abord navré par un casting au charisme de moule, ensuite atterré par des enjeux narratifs dont je me battais puissamment les cacahuètes, enfin inquiet par une mise en scène que je trouvais certes efficace, sans jamais être aussi puissante que ce à quoi Bayona m'avait habitué. Et puis soudain... l'explosion du volcan et l'ahurissante séquence qui suit réveillent quelque peu notre intérêt. À ce moment-là, je me dis, ah ok. Le mec, il va peut-être me surprendre. Bien sûr, le scénario à proprement parler m'indiffère jusqu'au bout, et cette destruction de l'île sonne la nécessaire rupture symbolique avec ce que la franchise était devenue comme la recomposition des origines d'un mythe. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, quand j'ai eu cette rupture que j'ai trouvée immédiatement symbolique, j'ai perçu le film à l'aune de ses allégories. Un mythe qui convoque autant Spielberg que Cooper et Schutzack et qui annonce, comme quelques minutes après minuit, mais sans notice explicative quant à la fonction allégorique du monstre, plus qu'un hommage, une exhortation à être à la hauteur de nos cauchemars métaphoriques. Fallen Kingdom devient alors l'éruption volcanique du sens que portent les monstres, un glissement de terrain vers du pur cinéma mythologique, une reconnexion au monde perdu de Spielberg, à la fois comme suite indéniable qui fait fi des deux opus précédents, comme réinterprétation des codes du maître à penser, mais surtout comme ouverture vers un hommage total à l'histoire des monstres du cinéma dans leur ensemble. Moi je savais pas l'histoire du film. J'étais pas du tout dans une logique de me dire que le film allait avoir une deuxième partie dans un manoir. Et dès que t'arrives dans ce manoir là, hormis ce petit truc avec la gamine, j'étais vraiment dans un truc de me dire ah, en fait non, les persos principaux là, ça va devenir les monstres. C'est les monstres. Bayona ne se contente pas de citer Perrault ou Spielberg à l'aune du conte comme de la dimension horrifique du mythe, il parcourt l'intégralité du spectre de notre imaginaire cauchemardesque. Et toutes les références que d'aucuns y verront, d'Aliens à Frankenstein jusqu'aux chasses du comte Zaroff, n'y sont jamais vaines récupérations, mais arguments évocateurs de l'importance de sa profession de foi. Un truc qui pour moi signe les grands cinéastes, c'est que je suis bloqué de tous les côtés, mais pendant que je suis là-dedans, avec 25 producteurs derrière, le putain de scénariste producteur à côté ou quoi que ce soit, ben je vais raconter mon histoire. Alors c'est pas un entrisme absolu, parce que le mec il peut pas tout faire, il peut pas changer le scénario, il peut pas changer la prod, il peut pas changer la franchise, mais combien de cinéastes talentueux peuvent être brisés par un truc et laisser tomber. Moi le mec il laisse pas tomber. C'est peut-être, ok, 30 minutes dans le film,
mais ces 30 minutes, elles valent plus que tous les blockbusters que je vois. La seconde heure de Fallen Kingdom donne tout son sens au film, parce que l'histoire qu'elle raconte n'est pas celle que le scénario crétin véhicule, mais bien celle que Bayona impose à travers ses images, et que son magnifique Monster Calls, injuste bide au cinéma, véhiculait déjà. Cette seconde heure, et surtout son final, est une profession de foi sous-jacente où une image dit plus que 1000 dialogues, où la composition d'un cadre replace les vrais enjeux du film, où chaque parti pris visuel convoque la raison pour laquelle nous avons besoin des monstres. This is the most dangerous creature that ever walked the earth. Et au bout d'un moment, plus ça avançait, plus je voyais les poils monter. Puis je me disais, ah putain ce plan, oh putain cette scène. Et puis à la fin, j'étais, ouais là c'est énorme. Au générique final, mes craintes et mes réticences ont finalement volé en éclats. Bayona a réussi à faire oublier le scénario de Trevorrow, le casting imposé, la franchise marketée, devenue carcan prétexte qui s'efface et se dissolve sur l'autel de ses vraies intentions. Ils n'ont aucune importance et disparaîtront comme la Pompéi de John Hammond brûle de sa vanité, car Bayona sait que le monstre, et surtout ce qu'il signifie, les enterrera tous. Parce que moi, j'en vois plus des mecs qui filment comme ça. J'en vois plus de cet amour-là, quoi. Donc moi, j'ai envie de partir en vacances en me disant « Ah, j'ai eu un peu d'amour cinématographique. » Il y a encore des mecs. Même à l'intérieur d'une des plus grosses franchises aujourd'hui, il y avait encore un mec qui dit « Bah, moi, j'ai envie de croire à cette image-là. J'ai envie de croire à la mythologie qu'elle dépeint. J'ai envie de croire à l'effet qu'elle va produire sur le spectateur. » Et même s'il ne le réussit pas tout le temps, il y a ça. Donc voilà, c'est mon opinion. These creatures were here before us. And if we're not careful, they're gonna be here after. Welcome to Jurassic World. Oui, alors je dis, ben oui, alors je vous demande s'il vous plaît de pardonner d'avance le Suédois qui va se dépatouiller comme il peut avec mon texte dont la moitié ne parle pas du film, ou alors de détails qu'on ne peut pas avoir en extrait, quoi, parce que c'est un film qui sort au cinoche. Et ça, c'est emmerdant. Mais bon, vous nous le pardonnerez, je l'espère. Sinon, fuck you. On continue cette émission avec une autre bonne surprise qui apparaît plus film concept que film de monstre, même si c'est aussi un vrai film de monstre, et qui déjoue avec brio nos éventuelles craintes insignifiantes de cinéphiles trop blasés. Je parle bien sûr de A Quiet Place, a.k.a. Second long-métrage de John Krasinski, acteur aux vagues airs de Gérard Butler, et c'est sans doute pour ça que je l'aime bien, que vous avez vu dans plein de films, dont Michael Bay injustement dénigré. Michael Bay, qui me fait rire, produit d'ailleurs sans un bruit, avec Emily Blunt, que j'aime bien aussi, mais qui ne me fait pas rire, et qui est accessoirement la femme de John, ceci expliquant sans doute cela. Encore que, bon, ces considérations foireuses étant faites, on peut parler du film, que j'aime bien aussi, mais pas forcément pour les raisons que je viens de dire. Bon, enfin bref. Ah, le cinéma d'horreur pour les jeunes avec plein de high concepts qui croient qu'ils font peur, mais qui effraient surtout les maternelles. Ça, y a pas de pénurie de financement. C'est même le truc le plus rentable depuis des années, et le segment chouchou des jeunes diplômés de l'école de commerce du coin qui pensent qu'avec deux tétards et un concept qui tient sur une ligne, ils vont forcément s'assurer 10 fois leur mise. Un temps se furet, mais comme pour tout, l'obsolescence programmée fait des victimes, et les concepts qui s'en sortent et qui cartonnent sont désormais rarement le fruit d'inconnus avec 2,50 balles en poche. Derrière ce que certains croient être des petits films, il y a souvent de grosses pointures et des budgets dignes de nos comédies 4 étoiles. Forcément, dans cet océan d'opportunisme qui vise le portefeuille de l'ado comme Kinder vise celui des mioches de 3 ans, on se tape beaucoup de bouse. Alors quand un film sort du lot, il faut le saluer. Bah ouais, faut le saluer, faut pas faire le doux, hein, on dit, ah, voilà. Et je vais même dire qu'avec Sans un bruit, c'est inespéré, puisque le film réussit son coup tant en termes d'acting, de concept, que de mise en scène. Le concept de Sans un bruit, il est tout con, tu vois, une famille avec des gosses et un mari et une femme qui font pas un bruit. Tu te dis, ok, ils ont peur de quelque chose, et très rapidement, tu comprends que c'est des créatures qui sont là, qui sont aveugles, mais qui par contre, tu craques une allumette, elles t'entendent à Watt 1000, elles arrivent à toute vitesse, et en 3 secondes et demie, t'es niqué. C'est tout. Le mec, il a un concept, c'est il faut pas faire de bruit, sinon tu meurs. Toutes mes situations
vont devoir jouer de cette problématique autour du silence. Et c'est ça qui est important pour moi, et c'est rien d'autre. Attention, je ne parle pas d'originalité absolue, ni dans le contexte survival post-apo à la mode, ni dans la thématique familiale abordée. Mais ce qui aurait pu être des écueils, voire des grosses ficelles du genre mal exploitées, s'apparente à une véritable maîtrise des codes, d'autant plus surprenante que ce genre particulier n'était pas du tout la cam de John Krasinski. Après, c'est la démarche qui est franchement louable. Le mec, pendant plus d'un an, il a regardé tous les films d'épouvante qu'il pouvait voir. Le mec notait tous les films. Ça, ça m'a fait peur. Ça, putain, le mouvement de caméra, là, pour produire cet effet, c'est mortel. Talent, pas talent, c'est un mec qui a bossé son truc. La grande force de cette histoire simple, qui tient tout entière sur l'obligation au silence, réside dans l'adéquation et la consistance absolue entre les règles du contexte, les enjeux narratifs et la mise en scène, qui servent tous le concept du film, sans jamais chercher ni à le justifier outre mesure, ni à le rationaliser. Ça a l'air tout con, hein? Mais moi je le vois plus, ça! Je le vois quasiment plus! Le mec s'est juste dit non, mais je t'expliquerai pas pourquoi il y a des créatures. On s'en fout, c'est un mythe! T'as raison, c'est ce qui signifie par rapport à ce que tu mets en face. Krasinski impose une mythologie qui se suffit à elle-même, crée une menace parfaitement corollaire à son concept, développe un excellent world building qui la soutient en permanence et exploite jusqu'à plus soif les situations attendues qu'elle convoque, tout en radicalisant avec jouissance celles qu'on ne voyait pas venir. Et évidemment, en foutant des enfants, une femme enceinte. Et c'est hyper malin. Tu sais qu'elle va accoucher. Tu dis mon Dieu. Et l'air de rien, la cohérence absolue de l'ensemble, qui en fait un excellent survival, sert la dimension allégorique d'un projet qui sonne comme un retour au cinéma pur et dur, celui d'un langage visuel qui se suffit à lui-même et dont la composition par le découpage définit la quintessence. Comment je vais raconter mon histoire uniquement avec des images et un enchaînement d'images? Gros challenge, parce que si je me rate sur la réelle, le film, il est réduit à néant. Il peut se reposer sur rien d'autre. Et je trouve que sans être révolutionnaire, attention, hein, elle est super bien maîtrisée pour le projet du film. Sergio aurait personnellement adoré qu'il pousse encore plus loin les potards en assumant un silence total. Mais en y regardant de près, les rares séquences dialoguées ont finalement du sens à l'aune de sa thématique familiale, comme la musique de Beltrami nous rappelle qu'elle est une composante émotionnelle clé du 7e art qui n'a pas besoin de concepts radicaux pour produire du sens. En cela, Sans un bruit s'émancipe de son concept pour devenir simplement un vrai bon film qui, au-delà et à travers la condition artificielle qu'il s'impose, doit toute sa réussite à l'intelligence de sa mise en scène. C'est quand même le genre de film que tu finis, tu dis putain, ouais, ça fait longtemps que j'avais pas juste vu un bon petit film de genre avec une bonne idée, une bonne mise en scène, carré du début jusqu'à la fin, qui te fait pas débander, qui te tient en haleine jusqu'au bout, quoi. J'ai rien à lui reprocher au film. Je pourrais dire, ouais, j'aurais préféré un peu plus ou un peu moins, mais on s'en fout. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'émotions en voyant le film et il m'a captivé, c'est tout ce que je demande, tu vois. Captivé, émotion. Voilà, moi, ça a marché. Allez le voir! You know how this works, so I'll keep it simple. Welcome to hell. Ouais, Blackwater. Non, mais alors Blackwater. Alors Blackwater. Oh. Pour finir, on termine avec un autre film de monstres, mais des monstres de connerie absolue qui prouve que même dans la série Z, on ne sait plus se marrer. Alors oui, je voulais dénicher un bon petit nanar de Yakayo pour faire plaisir aux fans de Steven qui suivent, et la présence de Jean-Claude et de Dolph sur la jaquette de Blackwater me laissait penser que j'avais fait bonne pioche. J'allais même vous lancer mon inénarrable. Mais non, en fait, monumentale erreur. Ça fait bien deux Jean-Claude que je le sentais venir, mais là, faut regarder les choses en face. La grosse rigolade, c'est mort. La bousasse décomplexée du rayon discount de chez Carrefour, c'est terminé. Maintenant, un DTV de Jean-Claude, ça ressemble à ça. Le vieux est de retour.
Bon alors, je veux bien croire que de tous les Yakayo encore en activité, Jean-Claude soit le seul à espérer remonter la pente, ce qui est tout à son honneur, et à chercher désespérément la reconnaissance de ses pairs. Mais quitte à osciller entre projets mainstream et bouse de vidéoclub, autant se fendre la gueule quand on torche une bouse, ou au moins expérimenter quelque chose. Je sais pas moi, façon Day of Recording dans le meilleur des cas, ou alors Enemies Closer dans le pire. Quand il s'habille en trooper canadien là et qu'il est hystérique avec ses cheveux en pétard, tu te dis bon tu fais n'importe quoi là, mais c'est drôle. Merci, j'ai pas acheté ce DTV pour rien quoi. Mais là y a rien, que dalle, walou. Can you come back in an hour? Ouais, un peu de la tatane quoi, parce que tu vas voir ça pour ça. Enfin, je veux dire, c'est un actionneur le truc. Là, la seule scène d'action fondamentalement du film que t'as, c'est au début une pauvre fusillade de merde à l'extérieur d'un hôtel tout pourri avec des silencieux, alors ça fait... Voilà, c'est tout. Blackwater ressemble à tout ce qu'il ne faut surtout pas faire dans un actionneur bouseux pour cancre. Attention, je parle pas de scénar débile, en l'occurrence un super agent deep cover qui se fight des mercenaires et des gars de la CIA dans un sous-marin nucléaire transformé en Black Site. Genre, j'ai quand même l'histoire la plus débile du monde et je la prends sérieusement au premier degré, quoi. Je parle pas non plus d'une lumière dégueu, d'un réel grabataire, de second rôle tchétchène ou des décors empruntés au bidonville du Kazakhstan. Non, ça c'est normal, Steven le fait déjà. Mais Steven, lui, il est drôle. Même sans rien faire, il me fait marrer. Adieu. Parce que Steven, il a pas besoin. Tu le filmerais devant un mur blanc pendant 10 minutes, je suis sûr que la moitié du temps, tu te marres. Bon, tu vois Jean-Claude ? Franchement, s'il ne fait pas des caisses dans son acting, s'il ne fait pas des réactions, tu sais, comme en 1910, ou s'il fait pas un grand écart facial avec le sourire de Kéké, bah, il est pas drôle. Thank you for noticing that. Garanti 100% chiant et mortifère, Blackwater le voit traîner ses guêtres dans des couloirs gris en tirant la gueule sans jamais lever la patte. On voit bien qu'il s'en fout total, contrairement à Dolph, qui lui a toujours l'air de se marrer avec sa grosse voix de Suédois qui se prend pour un cow-boy du Texas. Show me your pecs, baby. Dolph, il est cool lui. Il a passé le fameux cap du « c'est bon, j'ai 60 balais, plus rien à cirer tous ces cons, maintenant je m'éclate en faisant n'importe quoi ». Merci Dolph d'être là et de me faire le petit sourire de mec qui est dupe de rien, mais qui est là pour se marrer. Mais ouais, 60 balais, ça devrait être ça quoi. Faire n'importe quoi, n'en avoir rien à cirer, et surtout ne pas se prendre au sérieux, bordel. Voilà, tout ce que fait pas Jean-Claude. Et ils en font quoi de Dolphy ? Ils l'oublient pendant une heure de film, ils le font revenir une minute, c'est d'ailleurs la meilleure minute de tout le bousin, et ils le dégagent pour que Jean-Claude enchaîne le final le plus nullissime du monde. C'est ça que je pardonne pas à Van Damme dans ce film. C'est qu'il a pas respecté Copain. Et ça, ça c'est pas cool. These arms are mine. Il est là 35 secondes, il a même pas tiré un coup de feu, il a pas donné, il a donné un coup de poing, et c'est fini. Pendant que Vanda marche avec des gonzesses, mais... Noine qui va faire une jeune agente de la CIA, elle est tellement botoxée de partout, tu te dis, elle est pas juste crédible une seconde dans le bidule. Et après, leur finale, mais je te jure, c'est 20 minutes. Les 20 minutes du truc que tu peux plus faire de la life, même le plus mauvais réel de la Terre, il peut plus oser faire un truc pareil, quoi. D'avoir le méchant en costard qui prend le capitaine du bateau en otage et où ça parle pendant un quart d'heure. Et où t'es là, tu te dis, mais c'est interminable, mais arrêtez ce truc. Tout ça pour dénigrer Dolph. Donc ça c'est pas possible. Parce que quand on fait venir Copain, on le respecte. On se sert pas de lui pour lui voler la vedette. J'en veux d'ailleurs aussi au réalisateur qui aurait dû faire comme René et lui hurler dessus. Avec mon trou du cul par hasard. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Je vous aurais prévenu. Arrête de gueuler, bordel. Je vois pas où est la caméra. Je veux que ça me foute, moi. Bon, allez, et tu notes que je n'avais pas de conclusion pour ce texte. J'avais pas répété 200 fois. C'est de la merde, faut pas aller le voir. Ça. Je crois qu'on a compris. Hein? Et si nous passions à la conclusion? Allez, conclusion. Jingle conclusion. Non, en fait, plus de jingle conclusion. Avant, il y avait un jingle conclusion. Conclusion, non ? Il n'y a jamais eu de conclusion. Parce que je trouve que c'est toujours un peu rough-rough, les fins de texte et les conclusions. Ah ! Opération.
en frisson. La dernière de la saison, c'est terminé. Je vous rappelle, Jurassic World, vous l'avez tous vu parce qu'on était relativement en retard pour en parler. Bon, il y a des choses que j'ai beaucoup aimées dedans. Je comprendrai qu'on en reste sur le script et que ça vous gave. Sans un bruit, si vous ne l'avez pas encore vu, allez le voir parce que c'est vraiment un film de genre carré, bien foutu, avec une bonne idée, bien maîtrisée. Ça fait plaisir. Et les trois contes du fond, n'achetez surtout pas Blackwater, qui est quand même une purge. J'espérais qu'avec Dolph et Van Damme, ça puisse donner un truc sympa, mais c'était tout pourri. Sur ce, je vous souhaite donc de très très bonnes vacances au soleil avec une bonne tarte tropézienne, c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vous dis à la rentrée si l'émission est reconduite. Mais j'espère bien qu'elle le sera, je vois pas pourquoi, vous m'aurez prévenu. Donc voilà, profitez-en bien pendant cet été et on se dit à la rentrée. Ciao.